Et voici nos chers amis américains, Husky et Starch. Starkey et Hutch. Ah, pour une punaise, c'est une punaise. Elle habite chez un certain Lynch. Au poil, mais est-ce que tu as son adresse? Rue des Introuvables. C'est pour la peine qu'on y aille. Allô, où est le capitaine? À plein ventre dans la rue. Bah, il faut aller le secourir. Mais ne le laissez pas dormir là, c'est dangereux. Hein, dis donc, tu connais une Sally la garce? Ouais, c'est une gosse vachement chouette. Quoi? Elle a kidnappé la fille de qui? Tiens, ben, je savais pas qu'elle avait une fille. Et il y a 25 cents de récompense. Waouh! Hey, Clodo, la piole de Sally la garce, c'est loin? Non! Tu tournes le pâté de maison jusqu'à la boutique d'Ourseleur, puis ensuite à droite, et puis tout de suite à gauche, tu te repéreras facilement sur la cabine du téléphone qui est en panne. Alors tu prends droit devant toi, puis t'obliques dans l'allée, c'est pas sorcier. Bah dis donc, toi comme feignant, tu te poses un peu là, tu devrais avoir des enfants, ils travailleraient pour toi. Ah oui, mais c'est pas facile de trouver des femmes enceintes. Hé, hey, Hutch! Planque-toi! Pardon, madame. Elle a un flingue. Tu crois que c'est comme ça que ça va me redonner du courage? Ce qui compte, c'est surtout de ne pas se faire zigouiller. Ah, pourquoi tu fais toujours ça? Bah quoi, qu'est-ce que je fais? Bah, le truc que tu fais pendant une minute, ça va, et l'instant d'après, il y a... Bah, c'est un truc qui marche, j'ai vu Kojak le faire à la télévision, il y a... Salut la garce, fini de rigoler, balance ton artillerie! C'est flatteur. Dis donc, tu sais que j'ai failli attendre. Tu m'apportes le pognon? Non, mais j'ai un petit cadeau pour toi. J'espère que ça t'apprendra à kidnapper d'innocentes jeunes filles. Est-ce que tu piges, Sally la garce? Pas la peine d'être fatigué, je suis pas dur de la feuille. Vous êtes Sally la garce? Starkey, tu t'es encore trompé. J'en ai assez! Aujourd'hui, vaccin anti-rhume gratuit. Pas de déchets.